Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. C'est un grand plaisir que de vous avoir ici à Los Angeles, mais nous sommes étonnés. Nous allons vraiment vite aller en besogne parce que nous savons que votre temps est précieux. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous vous prions vraiment de vous présenter tel que vous le voulez. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici donc à Los Angeles et d'avoir l'occasion de vous rencontrer, la communauté congolaise ici. Je m'appelle Noël Tchiani Madianvita. Je suis Congolais, né au Congo, en République démocratique du Congo, mais je suis sorti du Congo après avoir terminé les études au secondaire, envoyé par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour étudier en Belgique, en France, aux États-Unis. Après avoir terminé des études au niveau du doctorat et aussi après avoir fait des études complémentaires donc à Harvard University, j'ai travaillé dans les banques commerciales et les banques d'investissement à New York. Après avoir passé une dizaine d'années dans ces banques-là, je suis allé donc à la Banque mondiale à Washington depuis 26 ans maintenant, où je m'occupe donc des questions de développement. J'ai travaillé sur près de 85 pays différents, non seulement dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique, mais aussi en Asie. Donc voilà essentiellement ce que je suis. Vous avez travaillé dans beaucoup de places, mais vous n'avez pas cité votre pays d'origine. Nous allons en revenir. Quelle est vraiment votre raison de visite ici, en Californie du Sud? Oui, d'abord, j'ai travaillé donc dans plusieurs pays, mais je n'ai pas cité mon pays d'origine parce que quand vous travaillez à la Banque mondiale au niveau du siège, vous n'êtes pas autorisé à travailler sur votre propre pays. Et ça cause ce qu'on appelle donc des conflits d'intérêts. Donc, vous travaillez sur tous les pays du monde, sauf le vôtre. Mais dans le cas du Congo précis, j'avais été appelé en 1997 par le président Mzé Laurent-Désiré Kabila pour venir aider à faire la réforme monétaire. Donc j'avais co-présidé la commission de réforme de la monnaie qui avait conçu le franc congolais. Et en ce moment-là, je peux dire que mes deux grandes contributions étaient d'une part d'avoir convaincu le chef de l'État à ne pas mettre ses photos sur les billets des banques parce que tout le monde à l'époque insistait pour qu'on mette les photos du président qui regarde devant, à droite ou à gauche et on donnait des significations à ça. Je leur avais fait comprendre, j'avais fait comprendre au président de la République que cela n'était pas donc de la bonne pratique. Parce que les monnaies qui se respectent, les monnaies donc dans le monde qui conservent de la valeur, sont celles où on n'a pas les photos des chefs d'État en exercice sur les billets de banque. Merci, donc, c'est important. Oui, deuxième chose, j'avais convaincu aussi le président de la République à changer la composition du conseil d'administration de la Banque centrale. À l'époque, on avait un conseil d'administration qui comprenait donc 12 membres, dont 7 ministres en poste. Les gens comme les Mampanga, comme les Pierre-Victor Mpoyo, comme les Thomas Kanza, les Badimang Mulumba. J'avais convaincu encore une fois de plus le président de la République à sortir tous les membres du conseil d'administration qui étaient des membres du gouvernement pour avoir un conseil d'administration qui était essentiellement donc technique. Donc ça, c'est mes deux grandes contributions en réalité donc à mon pays et j'estime que on ne va plus jamais revenir donc sur ces pratiques-là qui enlevaient en quelque sorte donc l'indépendance à la Banque centrale comme telle. Ce sont des pratiques dictatoriales. Merci en tout cas pour cette contribution que nous n'avons jamais su. Aujourd'hui, c'est révélé. Mais nous avons une question. Quelle est la raison de votre visite ici, en Californie du Sud? Oui, d'abord, je voudrais vous dire, vous informer que j'ai vécu ici en Californie avant. Quand je suis venu aux États-Unis pour la première fois, j'ai vécu à San Francisco, où j'ai appris donc l'anglais. Et après avoir terminé donc l'anglais, je suis allé donc m'installer donc ailleurs. Ça me fait toujours donc plaisir donc de revenir ici chez moi, donc en Californie, même si je n'ai pas vécu donc à Los Angeles. Mais ici, j'avais des contacts très importants à avoir avec les gens du secteur privé. Vous savez que le plan Marshall que je propose comme vision de développement donc du pays impliquera la participation donc de tout le monde, c'est-à-dire non seulement du gouvernement, mais aussi donc du secteur privé. Secteur privé pour la construction des infrastructures, pour la mise en place donc d'un système financier fonctionnel, pour participer au programme donc de d'industrialisation accélérée du pays pour transformer nos matières premières donc en produits semi-finis, produits finis. Donc il y a un certain nombre donc d'acteurs du secteur privé qui m'ont invité ici pour connaître un peu plus donc du
de la vision de développement que je propose. Et nous avons échangé donc là-dessus. Et je pense que globalement, nous avons pu mobiliser le soutien de ce secteur privé là pour qu'il puisse intervenir au Congo une fois que les élections se seront donc bien passées. On doit être patient pour ça. Il faut être patient certainement. Vous savez, aujourd'hui, donc, le Congo est bloqué. Le Congo est bloqué, pourquoi? Parce que le risque pays est perçu comme étant très élevé. Beaucoup d'investisseurs étrangers ne veulent pas y mettre donc un seul centime. Donc, j'ai fait encore appel, une fois de plus, aux autorités congolaises, à la CENI, de prendre des choses au sérieux et d'organiser donc les élections comme il se doit pour que nous sortions de ce processus électoral avec des institutions crédible avec des leaders qui ont donc des mandats légitimes de pouvoir représenter valablement la République démocratique du Congo. Si nous arrivons donc à le faire, je pense que le Congo est promis à un bel avenir parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui pourront intervenir au Congo, notamment des entreprises donc extérieures qui pourraient investir pour la valorisation de nos ressources naturelles, mais aussi pour créer des emplois qui vont absorber donc beaucoup des chômeurs congolais que nous avons aujourd'hui. En parlant des élections, monsieur Tchiani, Noël, avez-vous des ambitions à devenir président de la République? Je l'ai dit déjà, je l'ai déjà annoncé depuis pratiquement un an. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo et je me prépare donc en conséquence. C'est la raison pour laquelle donc j'ai élaboré cette vision de développement qu'on appelle aujourd'hui le plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction de la RDC, qui je pense pourrait nous sortir donc de la situation du sous-développement que nous connaissons depuis plusieurs années pour que nous devenions un pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire un pays stable, prospère et équitable qui crée des opportunités pour tous les Congolais. Nous avons vu que vous avez écrit un livre, mais pour arriver à ce livre-là, une autre question concernant votre présidentiel, les élections, tout ce qui pourra arriver. Pourquoi devrons-nous vous voter? Quel est votre plan d'action? Oui, effectivement, donc j'ai mené une réflexion pour savoir pourquoi le Congo, en tant que pays, ne fait pas de progrès aujourd'hui sur le plan de développement. J'ai utilisé donc l'expérience que j'ai accumulée en travaillant sur beaucoup d'autres pays. Je vous ai mentionné que j'ai travaillé sur près de 85 pays différents. J'ai vu des pays sur lesquels je travaille qui ont fait des progrès. Je mentionne des pays tels que le Sénégal, tels que le Botswana, tels que les îles du Cap-Vert, tels que l'Indonésie et j'en passe. Mais tous ces pays qui font des progrès, quand je rentre chez moi en RDC, je trouve que nous reculons d'année en année. Je me suis posé la question de savoir pourquoi certains pays avancent et d'autres, comme le mien, ne font pas de progrès du tout. J'ai confiné cette réflexion donc dans un livre qui s'intitule « La force du changement », le livre d'ailleurs que vous voyez ici, « Comment bâtir un pays plus beau qu'avant ». Qui résume en quelque sorte donc le plan Marshall que je propose. Et après avoir mené cette réflexion, je suis déterminé, enfin j'ai dû faire une proposition du plan d'action qu'il faudrait que le Congo puisse suivre pendant les 15 prochaines années pour transformer fondamentalement le destin de nos compatriotes. Ce plan d'action, si vous voulez, je pourrais vous donner des détails, mais globalement, il faudrait qu'on puisse promouvoir la paix et la sécurité, la mise en place d'institutions démocratiques, d'institutions solides, donc mettre en place une administration fonctionnelle, mettre en place un système de justice qui fonctionne. Il faudra que nous puissions promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Congo a beaucoup de richesses, mais le problème que nous avons, c'est que ces richesses n'entrent pas dans le budget de l'État. 85% du revenu de l'État, de ressources qui proviennent donc de l'exploitation des ressources naturelles, ne vont pas dans le budget de l'État. Ça va dans les poches des privés, pas le privé transparent que nous souhaitions donc promouvoir, mais des privés qui ne sont pas très honorables. Le pilier suivant consiste à pouvoir investir dans le capital humain, c'est-à-dire dans l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire, pour que nous ayons des ressources humaines donc de qualité. Je propose aussi donc un grand programme de développement des grandes infrastructures donc des bases, c'est-à-dire la construction des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des aéroports modernes, des écoles publiques, des hôpitaux publics, la construction donc des chemins, enfin de systèmes d'électricité, des systèmes d'eau, des systèmes de télécommunications, pour que nous puissions créer un bon environnement qui permette donc aux gens de vivre correctement, mais aussi au secteur privé de se développer donc comme il se doit. Au-delà donc de ce pilier de grandes infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre qui vont créer beaucoup d'emplois pour les Congolais, je propose un programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. Vous savez que notre économie, malgré l'abondance des ressources naturelles que nous avons, nous extrayons ces matières premières-là du sous-sol, on les envoie à l'étranger, donc à l'état brut.
ça laisse le chômage au Congo et on crée des emplois à l'extérieur. Je voudrais changer cela en transformant nos produits, nos matières premières, en produits semi-finis et des produits finis à l'intérieur du Congo, utilisant la main-d'œuvre congolaise, créant des emplois pour les Congolais. Et de ce fait-là, nous allons augmenter la production nationale, nous allons pouvoir créer des opportunités donc pour tous les Congolais. Au-delà de ça, nous allons mettre en place un bon environnement pour le secteur financier, mais aussi un bon environnement pour le développement du secteur privé, pour que les Congolais qui ne sont pas aujourd'hui engagés donc dans l'administration publique puissent créer des entreprises et absorber en quelque sorte donc le chômage, contribuer à la création donc d'emplois qui pourraient donc réduire donc le chômage. Voilà grosso modo l'idée donc du plan Marshall que je suis en train donc de proposer, et ce plan est évalué à 800 milliards de dollars sur une période donc de 15 ans à mobiliser essentiellement en combattant la corruption, en combattant la prédation des ressources naturelles. Et de ce fait-là, nous allons augmenter le budget national avec des ressources intérieures. Mais le reliquat que nous ne pourrons pas mobiliser des ressources intérieures en ce moment-là, on pourrait l'obtenir donc de la part des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais aussi de la part des investissements directs étrangers. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette brève présentation de votre livre. Mais nous avons quelques deux, trois questions à revenir sur ça, beaucoup plus sur le chômage et comment résoudre ces problèmes-là. Et ce sera après cette page publicitaire. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir accordé cette page publicitaire. Maintenant, nous sommes encore avec vous. Nous parlions de la résolution de ce problème du chômage. 85% de la population congolaise vit dans le chômage. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Oui, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Et dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, nous avons réfléchi à ce qu'il faudrait faire pour arriver à régler ce problème-là. Vous avez totalement raison, 85% de la population active congolaise se trouve aujourd'hui au chômage. En réalité, tout le pays est au chômage. Alors que nous avons tout plein donc des ressources naturelles que nous pouvons exploiter pour créer des opportunités pour tout le monde. Ce que nous allons faire pour arriver à régler le problème du chômage, d'abord, c'est pour ça que nous avons des piliers du plan Marshall. Le premier pilier, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, va consister à mettre en place un environnement de paix et de sécurité, parce que sans la paix et la sécurité, les gens ne peuvent pas investir dans le pays. Une fois que nous avons mis en place l'environnement de paix et de sécurité, le gouvernement va lancer des grands travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire la construction donc de ces chemins de fer, des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports. Tout cela va se faire en utilisant la main-d'œuvre locale, donc en créant des emplois pour les Congolais. Mais de l'autre côté aussi, nous allons lancer le grand programme d'industrialisation accélérée, c'est-à-dire pour transformer nos ressources naturelles en matière, en produits semi-finis, produits finis à l'intérieur du Congo. Pour le faire, on aura besoin de faire venir les capitaux étrangers qui vont se mélanger avec des Congolais, créer des entreprises en RDC, et ces entreprises vont employer des Congolais, donc créer des emplois pour les Congolais. Au-delà de ça, parce que l'État ne peut pas tout faire, nous allons mettre en place un environnement propice au développement du secteur privé, améliorer l'environnement des affaires, créer le système financier qui fonctionne pour perdre du crédit aux Congolais qui veulent créer des entreprises, qui veulent fonctionner donc dans n'importe quel secteur donc d'activité. Alors tout cela va permettre au secteur privé de créer des emplois en complément à ce que le gouvernement pourrait faire en intervenant donc dans le domaine donc du public. Donc voilà toute une combinaison donc de techniques qui permettront aux Congolais de pouvoir donc retrouver donc leur compte dans l'exploitation donc des ressources naturelles donc que Dieu a bien voulu nous donner. Une chose importante que je voudrais signaler, c'est le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui va nous assurer en quelque sorte donc l'autosuffisance alimentaire. Et là-dessus, nous allons mécaniser l'agriculture, mécaniser la pêche, mécaniser donc l'élevage. Et en le faisant, on crée des emplois dans ces secteurs-là qui absorbent d'ailleurs pratiquement 60% de la population congolaise, parce que vous savez, quand on regarde la composition de la population, il y a une grande partie qui se trouve donc dans les milieux ruraux. Et ces gens-là vivent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc en mécanisant donc ces secteurs et en développant aussi une industrie agroalimentaire intérieure, cela va créer des emplois pour l'ensemble donc de la population congolaise. Donc voilà plus ou moins une combinaison de techniques que nous allons utiliser. Monsieur le Président, vous entendre parler, vous insistez beaucoup plus sur l'Occident. Sur l'Occident, pour apporter les résolutions aux problèmes du Congo.
Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai toujours prôné l'idée que le plan que je propose, c'est un plan congolais, conçu par les Congolais pour le Congo, pour régler les problèmes du Congo. Maintenant, et c'est pour cela d'ailleurs que dans la recherche des ressources pour arriver à mettre en œuvre donc ce plan ici, je dis toujours que nous devons combattre la corruption parce que le problème, c'est un problème d'abord interne, d'organisation intérieure. Mais en le faisant, le monde est devenu un village planétaire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. On aura toujours besoin de la communauté internationale, même si nous, Congolais, nous devons être dans le siège du conducteur. Donc, je ne voudrais pas exclure l'Occident, exclure donc la communauté internationale. Je voudrais que la communauté internationale viennent en complément aux efforts que les Congolais mènent pour arriver à développer leur propre pays. En parlant de l'Occident, c'est beaucoup plus là où vit les communautés africaines, la diaspora et consorts. Je pense que le président Martin Lutumbo a une question pour vous avant que nous continuions. Président Martin, s'il vous plaît. Oui, président Tchani. Quel serait le rôle de la diaspora dans votre plan d'action? Aussi, une sous-question, une question qui est un peu d'actualité, la question de la double nationalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Ce sont des questions non seulement d'actualité, mais très importantes. Vous savez que la population congolaise s'élève aujourd'hui donc à 87 millions de Congolais. Donc nous sommes un grand pays, le troisième ou le quatrième grand pays en termes de population en Afrique, après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Mais dans les 87 millions de Congolais que nous sommes, 8 millions de Congolais se trouvent dans la diaspora, répartis à travers le monde, en Afrique, dans d'autres pays africains, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Donc, je considère que le fait que nous ayons 8 millions de personnes qui vivent à l'extérieur, c'est un, comme on dit en anglais, it's a blessing, c'est une bénédiction pour notre pays, parce que la diaspora, non seulement que c'est une source des transferts de fonds qui servent à plusieurs familles de pouvoir donc survivre, mais aussi la diaspora congolaise donc est exposée à des façons différentes de voir les choses. Nous sommes à l'extérieur en train de travailler dans des domaines différents. On a donc accès à la technologie moderne, à des connaissances qui sont plus sophistiquées que celles que nous avons donc en République démocratique du Congo. Donc la mise en œuvre de ce plan Marshall va nécessiter la mobilisation de toutes ces ressources humaines qui sont à l'extérieur, qui viendront se mélanger avec les Congolais qui sont à l'intérieur pour que nous puissions mettre en œuvre les différentes composantes donc, du plan Marshall de façon donc, réussie pendant les 15 prochaines années. Donc je compte beaucoup sur la mobilisation donc, de la diaspora dans ce secteur-là. Alors maintenant, en ce qui concerne la question de la double nationalité, c'est une question importante et délicate que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de pays aujourd'hui à travers le monde, et surtout les pays africains, beaucoup de ces pays-là donnent la possibilité aux ressortissants, à leurs ressortissants, de pouvoir conserver leur nationalité donc de départ. Mais s'ils vont à l'extérieur pour des raisons professionnelles et qu'ils sont obligés de pouvoir obtenir des nationalités étrangères pour avoir accès au marché du travail, je pense que c'est un plus pour le pays d'origine d'où ils viennent. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'à un moment donné, qu'en tant que pays, nous puissions réfléchir sérieusement sur la révision constitutionnelle pour que la nationalité congolaise d'origine ne se perde jamais. Sauf si la personne donc décide lui-même volontairement de dire qu'il ne veut plus être Congolais. Mais la plupart des Congolais, ils veulent continuer à rester Congolais, mais ils sont à l'étranger, ils sont obligés de pouvoir recourir à des nationalités étrangères pour avoir accès donc au marché, à certaines facilités pour que les enfants puissent aller à l'école, ainsi de suite. Et je vais vous dire donc un cas particulier qui nous interpelle beaucoup. Moi, je suis Congolais à 100%. La mère de mes enfants, elle est congolaise à 100%. Mais il se fait que nos enfants sont nés aux États-Unis parce que je suis fonctionnaire international donc à Washington. La loi américaine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand un enfant est né aux États-Unis, il est américain. Mais la loi congolaise aussi, elle dit quoi? Que quand un enfant est né de père ou de mère congolais, cet enfant est congolais. Pour quelles raisons mes enfants, qui sont de père et de mère congolais, doivent perdre la nationalité congolaise parce que la loi américaine donc dit que quand ils sont nés aux États-Unis, ils sont américains. Je pense qu'il y a quelques... Nous négligeons nos propres lois. Notre propre constitution est sabotée par nous-mêmes. Je voudrais que nous puissions modifier cela.
Donc, mes enfants sont congolais à 100%, ils sont des pères et de mères congolais et ils ont droit de pouvoir rentrer au Congo à tout moment, aller travailler au Congo sans qu'on puisse leur poser une seule question. Donc, ça, ce sont des modifications constitutionnelles auxquelles nous devrons procéder après les élections, certainement, pour arriver à purifier notre constitution pour que nous puissions protéger les Congolais, non seulement qui sont au Congo, mais également ceux qui sont donc dans la diaspora, parce que ça ajoute de la valeur. Les Congolais dans la diaspora ont accès à des nouvelles technologies, ils ont accès à des connaissances, à des qualifications beaucoup plus importantes, et que quand ils rentrent au Congo, ces qualifications sont mises au bénéfice donc du développement de la République démocratique du Congo. Donc voilà donc mon point de vue sur cette question-là. Yeah, ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a une question encore en parlant de la diaspora, en parlant de la politique. Vous êtes politicien, nous l'avons bien compris, et vous comptez vous présenter aux élections présidentielles. C'est quoi votre famille politique? Vous avez un parti politique ou vous appartenez à un parti politique déjà connu? Bon, d'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais occupé de poste politique en République démocratique du Congo. Je suis technocrate. J'ai toujours fonctionné dans le secteur privé, dans les banques commerciales, les banques d'investissement à New York, mais également la Banque mondiale à Washington, en tant que technocrate. N'ayant jamais occupé de poste politique, je ne me considère pas du tout comme étant un politicien. Mais parce qu'on pense pouvoir, donc, on s'est présenté aux élections présidentielles pour se conformer à la réglementation, à la législation congolaise, nous avons créé une plateforme qu'on appelle la force du changement, qui est reconnue par le ministère de l'Intérieur, reconnue aussi au niveau donc de la CENI, habilitée à présenter donc des candidats à tous les échelons des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, mais aussi au niveau donc local. Pardon. Cette plateforme, elle est ouverte donc à tout le monde, elle reçoit les partis politiques, les associations professionnelles, mais aussi les Congolais ordinaires qui peuvent en être donc des membres. Et c'est une plateforme qui est nouvelle, qui n'a pas d'histoire, qui n'a jamais été mêlée dans des questions de corruption, dans les détournements des fonds publics, dans les rébellions, dans les massacres qui ont endeuillé notre République. Donc nous sommes une plateforme propre, nouvelle, et nous avons comme valeur l'intégrité, la bonne gouvernance, la justice et le travail. Avec cela, je voudrais inviter tous les Congolais, sans pouvoir mentionner un parti politique spécifique, mais inviter tous les Congolais qui veulent véritablement la transformation de notre pays, l'avènement de la bonne gouvernance, l'avènement donc des institutions transparentes qui fonctionnent donc d'après la modernité aujourd'hui. Je les invite à pouvoir adhérer donc à la force du changement, et j'invite aussi les partis politiques existants, s'ils estiment que nous avons les mêmes valeurs et que nous avons une vision donc qui tienne debout, qu'ils viennent adhérer donc à la force du changement pour que nous puissions ensemble bâtir un pays stable, prospère et équitable qui crée des opportunités pour tous les Congolais. La force du changement, qui est d'ailleurs le titre de votre livre que vous avez présenté, quelle est la position que vous occupez dans cette plateforme qui est la force du changement? Je suis le président de la force du changement et nous avons des comités de la force du changement répartis maintenant à travers donc tout le pays, dans pratiquement toutes les provinces. Nous avons au niveau de Kinshasa donc un coordonnateur qui coordonne les activités de la force du changement et qui est en train d'installer avec son équipe, qui est en train donc d'installer donc des cellules donc dans toutes les localités à travers donc le pays. Donc moi personnellement, je suis le président de la force du changement et je suis appuyé par des conseils, mais également par les membres fondateurs de la force du changement qui sont, certains d'entre eux sont ici aux États-Unis, en Europe, mais également donc au Congo. Et pour ceux qui seraient intéressés par la force du changement, vu tout ce que vous venez de dire, comment peuvent-ils entrer en contact avec la force du changement? Oui, je pourrais vous donner donc le nom et le numéro de téléphone qu'ils peuvent contacter, mais également l'adresse donc email du professeur Yolo, qui est basé donc à Kinshasa, qui est le coordonnateur de la force du changement, mais également de Delar Dradi, qui est basé donc ici aux États-Unis, à Atlanta. Nous avons des comités qui sont répartis, il y en a en Belgique, en France, donc on va donner donc les numéros de téléphone de tout le monde et les emails aussi qui peuvent être contactés par ceux qui veulent donc adhérer à la force du changement. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant que nous tendons vers la fin de notre interview, je pense que le Président Martin Lutumbo a une autre question avant que nous posions les deux dernières questions. Ok. Voilà.
vous associerez-vous à un parti politique quelconque? La raison pour laquelle nous posons cette question, c'est juste pour savoir si vous avez jusqu'à présent un choix particulier, parce qu'on estime que vous ne pourrez pas faire le chemin seul. Il y a des gens aussi qui, localement, ont combattu pendant longtemps pour tout ce que vous aspirez donc, à faire donc, de bien pour le pays. Et ces gens-là vont sûrement s'associer à vous. Mmh. Ou vous vous associez à eux. Est-ce que vous avez une idée quelconque d'un parti politique avec lequel vous vous associerez? Oui, c'est une question intéressante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la force du changement est ouverte à travailler avec tout le monde. Nous voudrions, parce que nous estimons que les problèmes du Congo sont tellement complexes qu'on ne peut pas les résoudre tout seul. Nous devons rassembler plutôt que diviser. Donc nous invitons tous les partis politiques, sans exception, qui croient dans notre vision de développement à venir, se rallier donc avec nous, faire alliance avec nous pour que nous puissions travailler ensemble. Mais nous devons quand même être sélectifs aussi dans ce processus-là. Parce qu'il y a des gens qui, dont les valeurs ne sont pas du tout celles que nous défendons. Nous défendons la bonne gouvernance, nous défendons la lutte contre la corruption, contre les détournements des fonds publics. Nous défendons donc l'historique donc des rébellions, des choses que, nous combattons donc les idées donc des rébellions. Nous ne voulons pas donc des massacres donc dans notre pays. Alors, ceux qui estiment qu'ils ont les mêmes valeurs que nous, on les invite tous à ce que nous puissions nous mettre ensemble, faire un bloc commun, aller aux élections donc avec un candidat commun qui répond à un certain nombre donc de critères. Et ces critères sont lesquels? On souhaiterait que le candidat commun de l'opposition soit quelqu'un qui soit suffisamment instruit pour pouvoir analyser les enjeux et représenter le pays valablement. Qu'il puisse avoir une expérience professionnelle donc des premiers plans, des qualités. Qu'il puisse avoir lui et l'organisation donc qui le représente, qu'il puisse avoir une vision de développement pour sortir le Congo des problèmes que nous avons aujourd'hui et se mettre sur la voie de développement économique et social donc durable. Donc avoir un projet de société donc qui se défende et surtout qu'il puisse bénéficier donc des critères d'intégrité, de moralité et qu'il soit quelqu'un de correct. Donc qu'il soit quelqu'un qui aime le Congo et qu'il soit un patriote qui aime la République démocratique du Congo et les Congolais. Si quelqu'un répond donc à ces critères-là, moi je suis tout à fait disposé à ce que nous puissions travailler ensemble pour que nous puissions pour que nous puissions régler le problème donc du pays de façon donc méthodique et que nous puissions soutenir donc ce candidat-là qui répond à cet arsenal donc de critères aux élections présidentielles donc à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, comme je disais, deux dernières questions. La situation actuelle du Congo, à chaque fois que nous avons marche de revendication, marche chrétienne ou quoi que ce soit, il y a des cas de décès. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout cela? Franchement, c'est une situation qui est non seulement préoccupante, mais qui est très embarrassante. Et moi, je voudrais faire appel aux autorités publiques congolaises pour leur dire que la vie humaine, elle est sacrée. On ne peut pas continuer à accepter qu'un seul Congolais soit tué parce qu'il a voulu réclamer ses droits qui sont d'ailleurs garantis par la Constitution. Il est important que notre police, nos services de sécurité et notre armée apprennent à respecter la vie humaine. Et là-dessus, moi j'ai fait appel au commandant suprême de ces forces-là, le président de la République, qui doit pouvoir donner l'exemple, qui doit pouvoir donc enseigner, qui doit pouvoir donc dire à tous ceux qui sont impliqués dans le maintien donc de l'ordre pour qu'on puisse respecter donc la vie humaine. Mais de l'autre côté aussi, quand on réclame des droits constitutionnels, c'est tout à fait acceptable. Les manifestations publiques ne sont pas interdites par la Constitution. Quand on veut organiser donc des manifestations publiques, il y a toute une procédure qui est suivie. On informe donc l'autorité de la ville de Kinshasa ou de n'importe quelle donc province. On dit bien qu'on informe, on ne demande pas l'autorisation. Si cela est prévu par la Constitution, qu'on le respecte. C'est comme ça que nous allons avoir donc un pays qui fonctionne en ayant ce qu'on appelle donc l'état de droit. Donc je souhaiterais encore une fois de plus faire appel à tous ceux qui sont impliqués, surtout les autorités publiques, mais également la police, les services de sécurité, à respecter la Constitution, parce que c'est ça la loi fondamentale du pays qui définit donc les règles du jeu et qui définit donc les relations entre le citoyen et les institutions publiques.
vous parlez tellement bien à chaque fois que j'ai dit deux dernières questions, vous dites quelque chose qui me pousse à vous poser encore une question. Allez-y. Pensez-vous que le non-respect de la Constitution est une des raisons majeures de tout ce qui se passe au Congo? La crise politique que notre pays traverse aujourd'hui, elle est née du non-respect de la Constitution. Comme vous le savez, la Constitution prévoit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Le dernier mandat du président Joseph Kabila a pris fin le 19 décembre 2016. Si on avait organisé des élections, on n'aurait pas connu toutes les morts qu'on a connues donc depuis 2016 donc jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, la crise politique, elle est née de ce non-respect de la Constitution. Et pour que cette crise puisse terminer, elle ne va pas prendre fin avec des intimidations. Elle ne va pas prendre fin parce que la police a tiré sur les gens. La crise va terminer lorsque le pays va organiser des élections démocratiques de façon transparente et mettre en place des institutions qui soient acceptables, un pouvoir qui soit légitime, qui soit reconnu par tout le monde. Donc, il est tout à fait important aujourd'hui que le calendrier électoral qui a été annoncé par la CENI et qui semble pouvoir donc s'imposer à nous tous et qui appelle la tenue des élections le 23 décembre 2018, il est tout à fait important que ce calendrier soit respecté. Je voudrais aussi faire appel donc à la CENI sur quelque chose qui est très préoccupante, l'utilisation des machines à voter. Les machines à voter ont été importées de la Corée, mais d'après ce que nous entendons, tout le monde est en train de décrier l'utilisation de ces machines. Je ne vois pas pourquoi la CENI doit pouvoir s'obstiner à pouvoir utiliser des machines que tous les acteurs politiques donc rejettent, y inclut même la Corée. La Corée, d'où ces machines donc sont venues, semble pouvoir donc émettre des réserves là-dessus. Donc je voudrais encore une fois de plus faire appel à la CENI pour qu'elle soit responsable, qu'elle ne puisse pas exposer la population congolaise encore à des risques de riot, comme on dit en anglais, ou de comme ce qu'on dit ça, riot, c'est quoi des émeutes donc dans la rue, des protestations, donc des résultats qui ne seraient pas donc acceptables donc à la grande partie donc de la population. Donc je veux que ces élections puissent se tenir donc dans des conditions normales et que on puisse réunir donc des conditions pour que les résultats qui vont sortir soient acceptables donc à tout le monde. Donc s'il faut mettre de côté donc ces machines à voter, mettez-le à côté, allons donc au système manuel et qu'on ait donc des observateurs tant nationaux qu'internationaux pour nous assurer que le tout se passe donc normalement. Que nous arrivions à des résultats sains. En tout cas, Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous avez un livre là. Comment pouvons-nous trouver ce livre? Oui, le livre que j'ai ici, qui s'intitule donc La force du changement, comment bâtir un pays plus beau qu'avant, peut être commandé sur Internet, chez Amazon.fr ou bien Amazon.com. Sinon, donc, on peut le commander donc chez l'éditeur, qui est les éditions donc du Panthéon à Paris. Et si vous passez la commande donc sur Internet, je pense que vous pouvez obtenir le livre dans les 3-4 jours donc qui suivent. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le show s'appelle The Curious Show. Ça, c'est pas sur le YouTube channel Tito Londolé. Comme nous sommes The Curious Show, nous sommes curieux. Nous avons vu parler avec le président de la communauté congolaise de la Californie du Sud, ici même, dans votre hôtel. Mais nous sommes un peu curieux de savoir qu'est-ce que vous maniganciez, quel était l'objet de votre conversation. Si nous n'avons pas eu le temps de vous écouter, si vous pouvez partager ça avec la communauté congolaise, ici et d'ailleurs. Oui, d'abord, je voudrais remercier le président de la communauté congolaise et remercier toute la communauté à travers lui. Je ne peux pas venir donc dans une ville comme Los Angeles sans pouvoir m'incliner devant les autorités congolaises qui sont ici. Et lui, il représente bien donc cette communauté-là. Donc j'ai eu l'occasion d'abord de m'entretenir avec lui, connaître quelles sont quelle est la situation de la communauté ici. J'ai compris que nous avons un grand nombre de compatriotes qui vivent donc dans les environs donc de Los Angeles, mais également donc en Californie. Et au-delà de ça, nous avons échangé sur la situation, l'actualité donc en RDC, la situation du pays. Et je lui ai partagé donc avec le président de la communauté aussi la vision que j'ai donc pour le développement de la RDC,
Il était question que nous puissions organiser une rencontre avec toute la communauté, mais je pense que le temps nous fait défaut. Je devrais revenir ici. On va préparer cette rencontre de façon minutieuse pour que les choses se passent donc normalement. Donc, grosso modo, je voudrais remercier le président de la communauté, remercier donc la communauté de l'accueil qui m'a été réservé ici. Et j'espère que je pourrai vous recevoir aussi à Washington. Mais si je reviens ici, j'aurai l'occasion de rencontrer toute la communauté pour partager donc avec eux la vision de développement de la RDC et les inviter encore une fois de plus à s'impliquer davantage dans les questions électorales, à sensibiliser les gens au pays pour qu'ils sachent qu'il y a des plans de sortie donc des crises et qui sont tentés donc d'être préparés, proposés par les compatriotes. Nous vous disons aussi merci pour votre temps précieux que vous nous avez accordé. En tout cas, une fois de plus, nous n'hésiterons pas à vous suivre et puis à voir un peu tout ce qu'il y a de bien que vous allez nous apporter dans le futur. Merci encore, monsieur Noël Chiani. Si vous avez un mot, nous avons suffisamment parlé français. Un mot en Lingala, Chiluba, Kimongo, Kikongo, juste pour clore cette petite interview. Ça sera une très bonne chose pour cette population qui vous regarde sur les Curie Show. Babama Batata Bandeko, merci Mingi pour l'opportunité au Nazwaki. Pour la consolation de l'Abino concernant la situation donc, dans notre pays, j'espère que j'aurai l'occasion donc, de continuer cette conversation donc, d'une façon ou d'une autre. Je vous informe que à la fin de ce mois, je vais voyager donc, au Congo. Je vais non seulement m'adresser aux Congolais donc, à Kinshasa, mais également j'espère avoir l'opportunité de faire le tour des provinces et de palper de première main la situation que vivent nos compatriotes donc, dans ces provinces et avec l'espoir que nous allons continuer à travailler ensemble pour y arriver donc, à y trouver donc, une solution. Encore une fois de plus, merci de cette opportunité de m'adresser donc, à la communauté congolaise à Los Angeles. Merci. C'était des Curieux Show ici même à Los Angeles le 6 avril 2018. Nous avons reçu monsieur le président de la force du changement, monsieur Noël Chiani. Nous vous disons merci et à la prochaine. Bye. Merci.